Hé, hey, je peux te demander un truc? Bien sûr. Si tu me voyais pour la première fois aujourd'hui dans un train, tu me trouverais séduisante? Évidemment. Non, mais si tu me voyais telle que je suis maintenant, est-ce que tu viendrais me parler? Tu me demanderais de descendre du train avec toi? Je sais pas, c'est une question purement théorique. Ça dépendrait d'où j'en serais dans ma vie. En plus, ce serait comme si je te trompais, si on réfléchit bien. Laisse tomber, t'avais juste Écoute, à non, dire non, oui. Non, j'ai dit évidemment. Non, j'aurais aimé que tu dises un truc romantique et t'as tout fait foirer, okay. Ok. Tu veux savoir, si je te voyais aujourd'hui dans un train, je te regarderais droit dans les yeux. Je viendrais t'aborder et je te dirais, bébé, tu me fais bander comme un bouc en chaleur dans un champ de bruit. Ça va pas, non, c'est dégoûtant. Vieux bouc. Non, la vérité, c'est que t'as foiré le test. Mais et en fait, tu viendrais jamais me parler dans un train. Tu me verrais même pas, je crois, une mère de famille avec un cul énorme et qui perd ses cheveux. Mais oui, c'est moi. Tu m'as laissé aucune chance, t'as tout fait pour me faire échouer. Avoue. J'avoue. Allez, dis-le. Ouais, d'accord, mais dans la vraie vie, souviens-toi, Bola Zéro, hein. Quand ça a été le moment de passer à l'action, je l'ai fait. Je suis allé te parler dans le train et c'est la meilleure chose que j'ai faite de ma vie. Ah ouais, je peux te le dire. Les chèvres, regarde. Salut. Ça va? Coucou. Mais c'est pas la vraie question. Non, non, la vraie question qu'il faudrait se poser, c'est si je te demandais aujourd'hui de descendre du train et de me suivre. Ouais. Est-ce que tu viendrais avec moi? Non, évidemment, voilà, je peux pas, on m'attend. Non, et d'ailleurs, un vieux bouc en chaleur de 41 ans, t'imagines? Il y a de quoi flipper. Je suis carrément flippée, là. À l'aide, Voïtia!